Bonjour, bienvenue donc à notre second segment du module 2. Nous allons essayer de finaliser dans cette deuxième partie, tout en restant toujours sur le sujet des types d'informations et services climatologiques, mais cette fois-ci discuter aussi un peu de la situation de ces services-là dans notre continent. Alors, dans ce module, nous allons compléter ce que nous avons vu dans la phase A. Et donc, aujourd'hui, à la fin, vous devez être capable de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un modèle climatique, connaître ce qu'est un scénario et quels sont les types de projections de changement climatique, avec des exemples à l'appui, bien sûr. Et nous allons discuter de l'état de l'art des services climatologiques en Afrique de l'Ouest. Là-bas également, je vais apporter des exemples. Et pour couronner cette partie et faciliter un peu la digestion du message, je vais fournir quelques exemples de projections sur les précipitations et les températures en Afrique de l'Ouest. J'avais promis que ce cours sera avec le minimum de jargon possible, mais malheureusement, cette partie, elle est jalonnée de jargon. Et donc, je vous prie d'être très attentif. Pour mieux la cerner, on va commencer par les aspects très basiques, je dirais. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle, par exemple, à votre compréhension? Pour moi, un modèle, c'est une représentation mathématique simplifiée d'un système. Un système simple, un système très complexe, une partie d'une théorie ou bien d'un phénomène. Il s'agit dans cette procédure-là de regarder quelque chose de réel, de mieux le comprendre et d'essayer maintenant de lui donner une expression sous forme mathématique simplifiée, bien sûr, et en tenant compte de tous les aspects qui le caractérisent, essayer de voir justement dans sa version simplifiée mathématique en quoi est-ce qu'on peut mieux comprendre le système. Et ainsi, le modèle a une certaine utilité. Il est utile dans le cadre de la recherche, par exemple, pour mieux comprendre les caractéristiques d'un système ou d'un phénomène. Il est également intéressant et très utile dans le domaine de l'enseignement, quand vous voulez mieux apprendre sur quelque chose, le comprendre ou bien utiliser certains aspects. Et il est aussi un outil d'aide à la décision, parce que pour une fois, on est capable de voir la chose d'une manière immatérielle, la juger avant d'aller justement sur les aspects qui sont beaucoup plus pratiques et réels. Il y a une certaine procédure qui est liée à la modélisation. Et cette procédure-là, elle fait que le processus, justement, peut durer relativement longtemps. Donc, de la connaissance qu'on a de la théorie, d'une réalité d'un système donné, aux différentes théories qu'on possède à travers ce système-là, ou bien les aspects visibles et vécus qu'on a vus, en termes donc d'approche empirique, on essaye justement de conceptualiser ce système-là et lui définir des équations mathématiques qui le décrit le mieux. Et une fois cette étape dépassée, justement, on rentre dans des aspects un peu plus compliqués qui consistent à maintenant aller mathématiquement définir des solutions les solutions aux équations et formuler des aspects informatiques tels que codier, etc. Seulement, après avoir fait tout ce processus-là, on peut estimer avoir en main un outil qui représente d'une manière virtuelle, je dirais, un système donné ou bien un aspect, une théorie qu'on comprend le mieux dans la vie réelle. Alors, c'est quelque chose de ce genre-là que représentent les modèles climatiques, ou je dirais les modèles de climat. Et le climat, on l'avait déjà vu dans le module 1, que c'est un système
constitués de sous-systèmes qui ne sont pas fermés, ils sont en interaction permanente, ils sont fortement couplés. Et donc, à différentes échelles spatio-temporelles, ces systèmes-là interagissent sous justement la présence donc, de l'énergie mise à disposition par le Soleil. Et donc, tous ces sous-systèmes-là constituent le système climatique. C'est cette complexité-là, justement, que dans le modèle climatique, on cherche à représenter. Et cela passe par un certain nombre de procédures, parmi lesquelles, par exemple, il faudrait essayer de représenter chaque sous-partie selon sa complexité. Il faut la représenter dans diverses formes. Que ce soit le cycle de l'eau, par exemple, le cycle du carbone, le cycle de la biochimie, les cycles biogéochimiques, les aspects liés à l'utilisation des terres, les aspects liés aux éruptions volcaniques, à la chimie de l'atmosphère, etc. Tout l'équilibre engrangé par ce système-là en termes donc d'échange d'énergie, d'échange de tel ou tel autre type de compartiment. C'est cela qu'un modèle doit contenir. Et si on veut justement représenter un système complexe ou très complexe, eh bien, on se retrouve dans des situations où la procédure devient très longue, coûteuse et fastidieuse. Un exemple type ici, quand vous voulez par exemple faire de la paramétrisation des interactions dynamiques, thermodynamiques, chimiques dans l'atmosphère, il faut représenter l'atmosphère du globe entier sous forme de petites boîtes qu'on appelle des mailles et justement faire des hypothèses quant à comment est-ce que ces processus-là vont se retrouver allant d'une maille vers une autre. Et ça, c'est un aspect assez important pour que justement votre modèle puisse avoir pour que la capacité de votre modèle à représenter les processus climatiques soit proche de la réalité. Cela est vrai également quand il s'agit des hydrosphères, en particulier des océans. Là-bas également, on possède de la même manière, et les océans étant des fluides comme l'atmosphère, certains aspects peuvent être communs, mais d'autres ne sont que propres justement à la forme du fluide qu'est l'océan, que l'eau, par exemple. Ensuite, il faut prendre en compte la chimie de l'atmosphère, il faut prendre en compte les interactions entre la glace de mer et les glaciers, la salinité de l'eau de mer, etc., etc. Ensuite, tout ce qui se passe comme échange avec la profondeur de la croûte terrestre et la surface interactive entre l'atmosphère et l'océan. C'est cette complexité-là qui fait que justement, les modèles de climat se retrouvent être en différentes catégories. Un modèle climatique, c'est tout simplement donc cet outil-là. Je dirais, pour abuser du terme, ce logiciel-là qui permet de faire une représentation virtuelle du complexe climatique, de tout le système climatique. Alors, il y a cinq grandes catégories qui sont bien connues de nos jours. L'une des catégories, c'est les modèles couplés océan-atmosphère et qui considèrent toute l'atmosphère globale et tous les océans. Il y a des modèles, une catégorie de modèles qui, justement, suppose que seule l'atmosphère est importante dans sa complexité. Tous les autres sous-systèmes sont considérés comme des constantes et il est ce qu'on appelle offline, en ce sens qu'on écrit les informations à la surface des océans. Et on laisse seulement l'atmosphère se comporter d'une manière prescrite. On a maintenant une autre catégorie qu'on appelle les Earth System Models, qui n'est en réalité que cette catégorie de modèles relativement nouvelle
qui a tendance à être aussi complète possible par rapport à tous les processus du système contenus dans le système climatique. J'ai nommé également la catégorie appelée modèle climatique régional. Un modèle climatique régional, c'est un modèle de circulation générale, mais à confiner sur une zoomée, confiné sur une partie d'un continent ou bien sur une région du globe. Il y a une autre sous-catégorie, ce sont les modèles utilisés pour la prévision de la météo, pour les prévisions météorologiques, on les appelle également des modèles à air limité. Tous ces modèles-là sont différents selon le mode de fonctionnement auquel ils sont soumis, sachant que un modèle qui a d'une catégorie peut un tant soit peu mis dans un mode de fonctionnement qui peut le transformer et le sortir de sa catégorie à une autre catégorie. Ainsi donc, en fonction du mode d'utilisation, on se retrouve avec des nouveaux jargons. Donc, si par exemple on dit des simulations de réanalyse, ben, ce sont des simulations, des simulations climatiques qui permettent de reproduire les observations et faire des prévisions basées sur les observations réelles. D'accord? Par exemple, elles vont engranger des données d'observation passées et essayer de reproduire certains aspects justement du climat passé qui n'ont pas été captés par les observations. Quand on dit par exemple les données de simulation climatique, elles, ce sont des simulations donc, qui reproduisent le climat passé, le climat présent, ou bien qui font des prévisions sur la base de forçages naturels, comme par exemple le forçage dû au rayonnement solaire, le forçage dû à des éruptions volcaniques, etc. Ensuite, vous avez le modèle qui peut produire ce qu'on appelle les simulations de changement climatique. À la différence justement des simulations de la prévision ou bien des simulations climatiques, les simulations de changement climatique, en réalité, ne sont pas des prévisions, ce sont des projection. Elle projette le climat futur sur la base d'hypothèses. Et donc, ces hypothèses-là, on va les voir un peu plus loin, qu'elles sont développées selon des considérations socio-économiques de tel ou tel type. C'est pour ça qu'on dit que ce sont en réalité des hypothèses conditionnelles ou des simulations conditionnées par les questions des scénarios climatiques ou conditionné par la question si. Alors, de là est né un organisme en particulier qui est assez bien connu de nos jours, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qu'on appelle en français le GIEC. Le GIEC a été créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le programme des Nations unies pour l'environnement. Alors, l'objectif, justement, c'était d'évaluer les fondements scientifiques du changement climatique, mais également d'estimer les risques et les conséquences des changements climatiques et envisager des stratégies d'adaptation et des stratégies d'atténuation, justement, des gaz à effet de serre. Alors, depuis sa création, le GIEC a procédé à des intervalles réguliers, justement, à une évaluation des états de connaissance. Et de 92 à nos jours, il y a eu plusieurs types de scénarios qui ont été justement définis. D'accord? Certains sont très bien connus et d'autres sont très récents. Et les plus récents de ces scénarios qui sont utilisés justement dans le cinquième rapport qui a été publié en 2014, par exemple, parle de Representative Concentration Pathways, dans le jargon RCPs. Et le plus récent rapport donc, qui a été publié il y a à peine quelques jours de cela, et lui, il est basé sur d'autres types de scénarios, en particulier qu'on appelle les scénarios de parcours socio-économique partagés, appelés les SSP ou bien en anglais les Shared Socio-Economic Pathways. Alors, il y a justement une approche particulière que ce rapport-là a utilisé, qui
dit, un peu, se démarque un peu donc de l'approche traditionnelle qu'on avait connue jusqu'en 2014 passé. Dans ce rapport-ci, justement, ces deux scénarios-là, l'ancien qui est le RCP et le scénario du nouveau SSP, sont mises sont associés et donc sont combinés. Donc l'idée c'était quoi? Avant justement, avant jusqu'en 2014, on avait une approche séquentielle à la problématique des changements climatiques, des scénarios des changements climatiques. Et donc on avait les climatologues qui font des simulations, ensuite ils passent l'information, leurs résultats aux sociaux, aux sociologues et aux économistes, qui regardent en quoi est-ce que le climat peut justement impacter ces aspects-là. Mais cette fois-ci, le travail il a été fait en parallèle. Donc, pendant que les climatologues travaillent, les socio-économistes également travaillent de pair et ils interagissent entre eux pour pouvoir voir quels sont les aspects de rétroaction qu'il peut avoir entre justement les évolutions socio-économiques que nous aurons ou nous pourrons avoir sur Terre et le climat que cela peut engendrer. Alors, justement, c'est toute la complexité du système. Les climatologues, les RCP, pardon, sont basés sur des hypothèses d'une énergie qui peut être justement changée et donc qui peut augmenter en termes de mégawatts par mètre carré d'ici 2100. Et les SSP considèrent tous les aspects donc, socio-économiques d'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi d'adaptation. Le graphe que vous avez sur au centre ici nous montre un tant soit peu l'algorithme ou bien l'approche du terrain qui permet justement de lier ces deux types de scénarios-là dans la génération, dans la production, pardon, des scénarios de changement climatique. Les graphes ici à droite vous montrent un peu les définitions et les types de SSP, les scénarios de changement climatique. Et je vous exhorte à lire un peu autour de chacun pour connaître la particularité de chacun. Quelque chose de très important qui les lie tous, c'est que les questions d'adaptation ou les questions d'atténuation peuvent être problématiques au fur et à mesure que justement ces scénarios-là deviennent complexes. Donc, vous avez les scénarios considérés comme optimistes, comme le scénario SSP1, par exemple, et les scénarios qui sont considérés comme alarmistes, par exemple, le SSP5 ou le SSP3, selon le cas. Il y a aussi une autre façon par laquelle on peut regarder ces scénarios-là, c'est une approche type marché. C'est ça le graphique qui est ici en bas à droite. Ces couleurs-là, plus elles sont foncées, plus justement le niveau des échanges internationaux ou de marchés internationaux deviennent de moins en moins importants selon les scénarios considérés. Ce qui est très important, c'est que de par l'existence des RCP et l'existence des SSP, on a plusieurs combinaisons qu'on peut faire. Et dans justement le rapport du GIEC le plus récent, il y a un certain nombre de combinaisons qui ont été retenues et elles sont considérées comme celles qui sont régulièrement utilisées. Ce sont les SSP1 combinés donc au RCP 1.9, le SSP1 combiné au RCP 1.6, etc. Et le SSP5 combiné au RCP 8.5. Alors, cela nous amène justement à considérer donc dorénavant que les scénarios des changements climatiques prennent en compte non seulement des aspects socio-économique, d'adaptation, d'atténuation, mais aussi des aspects liés à la physique même, donc de l'atmosphère, en particulier, par exemple, l'augmentation du taux de rayonnement d'un certain watt par mètre carré.
Les graphiques que je vous montre ici montrent un peu, montrent l'évolution donc du rapport, dans le rapport du GIEC, les trois derniers rapports, de comment est-ce que, par exemple, la température moyenne du globe va évoluer en fonction des hypothèses, justement, des changements socio-économiques ainsi considérés. Chose importante à ces différents graphiques, c'est que ils sont tous unanimes que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on tend vers les années 2100, les températures moyennes du globe vont augmenter. Que ce soit dans l'ancienne expression des scénarios de changement climatique à l'avant-dernière et à la dernière catégorie, les résultats sont pratiquement les mêmes. Une autre chose très importante, c'est que et dans la publication 2007, la publication 2014 et la plus récente, jusqu'aux années 30, il n'y a pas une différence significative justement entre les types de scénarios considérés. Par contre, la température va unanimement augmenter, quels que soient les scénarios. Une autre chose importante, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'approche justement dans le long terme, cet espace-là qu'on voit, cette bande-là, elle s'apprécie et cette bande, justement, elle renferme l'une des caractéristiques de l'information climatique dont on a parlé dans la phase 2, 2A de ce module qui s'appelait l'incertitude. Et donc, c'est que cette bande-là, plus elle s'apprécie, plus l'incertitude est grande. Et cette incertitude-là, elle se trouve autour de la moyenne de l'expression et tout le modèle, ce qui veut dire quelque part que il y a une sorte de manque de consensus sur la précision, mais en moyenne, il tend vers une valeur bien connue. Alors, je vais vous donner un exemple de services climatiques basés sur les scénarios de changement climatique en prenant un cas d'exemple. Donc, ce travail a été fait sur la base de données d'observation déjà existantes et des données sorties donc de modèles et qui sont débiaisées et désagrégées pour un peu minimiser les incertitudes dans ces résultats-là. Et ces données-là proviennent de cinq modèles de circulation globale. Et ça, vous pouvez aussi le refaire par vous-même en allant sur le site web de Izmit, par exemple, que je vous avais montré dans le module, dans la phase 1 de ce module. Une chose importante, c'est que dans ce travail, on avait considéré également les scénarios SSP1 combinés au SSP 2.6. Et ce scénario-là, on l'appelle communément sustainability, c'est le scénario plus ou moins optimiste, on dira, qui décrit un monde marqué par une forte coopération internationale, donnant la priorité au développement durable. L'hypothèse ici, justement, de forçage, c'est celle de une augmentation du rayonnement global de l'ordre de 2,6 watts par mètre carré d'ici 2100. Cette augmentation-là peut maintenir justement les températures globales en dessous de 2 degrés Celsius. Mais, par exemple, les émissions vont être de l'ordre de 445, ce qui est relativement petit et comparé à d'autres scénarios. Ensuite, on a également regardé le scénario SSP3, qu'on appelle communément The Rocky Road, qui dépeint un monde fragmenté, affecté par la concurrence entre pays, une croissance économique lente, des politiques orientées vers la sécurité et la production industrielle et peu de préoccupations pour l'environnement. L'hypothèse de forçage radiatif ici, elle est basée sur une augmentation donc, du forçage radiatif de l'ordre de 7 watts par mètre carré. Et bien sûr, il y a une hypothèse de changement substantiel d'utilisation des terres avec une diminution de la couverture forestière mondiale
et des émissions justement du dioxyde de carbone allant de l'ordre de 871 particules par milliard, par million, pardon, d'ici 2100. Donc, utilisant toutes ces données-là ensemble, on a fait des analyses et on est justement arrivé à ces résultats que je veux vous montrer, juste une façon de vous expliquer un peu comment ces types d'informations peuvent être produites, mais aussi peuvent être utiles. Ici, vous avez la carte de l'Afrique de l'Ouest sur la base des observations de 1981 à 2014, la moyenne, et ça me montre justement qu'il y a une certaine, un certain réchauffement évident de notre continent dans cette période-là. Et si vous faites une projection allant dans le futur, ici vous avez les années de 1981 à 2100, sur le scénario, la base du scénario SSP 1-2-6 et SSP 3-7-10. SSP 1, c'est lui qui est juste en dessous ici. Et justement, il fixe le plafond avec toutes les incertitudes impliquées pour la zone sahélienne, soudanienne et sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Il plombe les températures en dessous de 2 degrés. Tandis que justement, si on suit la trajectoire du scénario 3, 7, 0, on se retrouvera justement avec des températures allant au-delà de 4 degrés d'ici 2100. Cela est vrai également pour la zone guinéenne, la zone la plus pluvieuse justement du continent. Et donc, il y a quelque chose de très important qui ressort ici, c'est qu'on est déjà en moyenne chaud. En moyenne, on est déjà chaud. La sous-région s'est réchauffée de l'ordre de 8 à 1,2 degrés. Mieux encore lorsque on va dans les hypothèses de changement climatique sur la base des scénarios prédéfinis, justement, cette augmentation, ce réchauffement va s'augmenter, va augmenter. Idem lorsque vous considérez les précipitations. Là, vous avez la carte de l'Afrique de l'Ouest sur la base des observations dont on dispose, en moyenne, donc, de 1981 à 2014. Ce champ de pluie, justement, nous montre un peu les zones qui sont relativement pluvieuses et dont le signal est statistiquement significatif. Lorsque vous faites des projections à long terme, allant justement jusqu'à 2100, et que vous considérez les deux scénarios déjà dont j'ai parlé, sur la sous-région Sahel-Soudan, on se retrouve justement avec un signal type où en moyenne, on a la pluviométrie qui va augmenter d'un certain taux. Et cela est vrai également pour la zone guinéenne, avec justement la teneur dans la zone guinéenne qui est moindre comparée à la zone sahélienne. Donc, il y a une récupération justement des observations sur la base des observations du régime pluviométrique moyen, mais qui est très variable pour le Sahel et la zone soudanienne. Une augmentation déjà des précipitations moyennes annuelles dans cette zone-là vers la fin du 21e siècle. Si on prend cette information et qu'on fasse les champs de pluie sur le continent en moyenne, sur des périodes fixes, par exemple l'horizon 30 ans 2060 et l'horizon 71-2100, on voit justement que cette augmentation-là va avoir une certaine disparité spatiale, mais avec le scénario de rivalité, d'hypothèse des rivalités mondiales, on risque de se retrouver en Afrique de l'Ouest avec un dipôle, avec l'Afrique de l'Ouest, incluant le Sénégal, la Gambie, l'Ouest du Mali ou la Guinée, qui vont être relativement secs, et l'Est de l'Afrique de l'Ouest qui va être relativement humide. On peut faire la moyenne justement sur toute la région. Quelque chose de très important, c'est que c'est en moyenne, si ces températures-là augmentent, il y a certaines autres variables qu'on peut regarder et qui sont très parlantes pour les domaines d'application comme l'agriculture, comme l'hydrologie, comme les ressources en eau. Et là, vous avez par exemple le comportement projeté de l'amplitude thermique. L'amplitude thermique, c'est justement la quantité, elle exprime un peu la quantité d'énergie disponible pour la croissance des plantes.
la plupart des banques, par exemple. Et ici, on voit justement que selon les scénarios considérés, ces amplitudes thermiques-là vont baisser au fur et à mesure qu'on va vers la fin du siècle. Si on zoome sur les pluies diluviennes, on se rend compte justement que celles-ci vont augmenter en amplitude surtout. Et dans la zone sahélienne, elles vont augmenter plus en amplitude, mais peut-être ne vont pas augmenter en fréquence selon les hypothèses qu'on a. Ainsi donc, on se retrouve avec des conclusions type les pluies diluviennes vont être de plus en plus fortes et associées à des vagues de rafales dans certains cas. Les vagues de chaleur vont causer des stress thermiques et pour les humains et pour les animaux. Et quelque chose de particulier en Afrique de l'Ouest continentale, c'est justement ce mélange qu'on risque d'avoir entre l'occurrence de poches de sécheresse et des inondations de la même zone. Et ça, justement, pour un praticien, ça a l'air de tout dire parce que ça montre exactement qu'il y a un certain nombre de risques à prendre en compte quand on doit faire la planification dans le domaine. Dans les sous-domaines de l'agriculture, des ressources en eau et autres. Et donc, comme je l'avais promis en début, mais je l'avais fait aussi dans la première partie de ce module, je vous mets à disposition ici d'autres liens qui vous permettront d'avoir accès à de l'information climatique et d'autres services climatologiques. Basé sur donc, les analyses, les prévisions et les projections climatiques. Donc, vous avez par exemple ce site-là, il met à disposition des prévisions météorologiques de quelques heures à quelques jours. Vous avez le site du Centre de prévision national de prévision américain qui met à disposition pour le continent africain que des produits de prévision, mais aussi d'analyse climatique. Et vous avez là où les données qu'on avait utilisées, que le GIEC a utilisées pour faire son rapport, elles sont disponibles également à ainsi. Et vous avez ici, je vous mets à disposition un lien pour l'analyse des données en ligne. Donc, vous pouvez faire vos propres analyses de données pour justement arriver vous-même à voir comment est-ce que ces informations-là peuvent être générées et mises à disposition d'un quelconque utilisateur qui en aura besoin. Alors, quelle est la situation justement de cette question des services climatiques ou climatologiques ici en Afrique de l'Ouest? Je vais traiter cette question-là en regardant en particulier les institutions en charge des services climatiques en Afrique de l'Ouest. Alors, vous vous rappelez, dans la première partie de ce module, je vous parlais des institutions ou des organes qui sont impliqués dans la chaîne de valeur des services climatiques et de la production de l'information climatique. On avait parlé des services nationaux qui constituent, si vous voulez, la colonne vertébrale de tous les organes. Ensuite, on a des institutions spécialisées, régionales et internationales. Alors, à l'échelle nationale, la principale source d'information climatologique ou des services climatologiques se trouve entre les mains des services météorologiques nationaux. D'accord? Dans certains cas, c'est une combinaison des deux. On met les services hydrologiques et météorologiques ensemble. Dans d'autres, ils sont séparés. Mais également, dans certains pays, on a les services chargés des alertes précoces et de la protection civile qui sont également impliqués dans la production de l'information climatique et des services climatologiques. Alors, une chose importante pour qu'ils partagent tous, que ces institutions détiennent et exploitent la plupart des infrastructures nationales nécessaires à la production des services météorologiques, que ce soit et autres services liés donc à la protection des biens des personnes, et de la planification économique et le développement, ainsi que l'exploitation et la gestion durable des ressources naturelles. Alors, pour justement savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux critères d'évaluation qui sont mis en place par
cadre mondial pour les services climatiques, pardon, de GFCS. On a utilisé les indicateurs de performance connus. On se rappelle, par exemple, dans le module, dans le premier module, dans la première partie de ce module, je vous avais expliqué qu'il y a justement cinq piliers qui caractérisent les services climatologiques. Sur la base de ces cinq piliers-là et les critères qui définissent un service climatologique, on avait parlé de quatre critères, et bien expliqué. Alors, il y avait un groupe d'auteurs à travers l'USAID qui avait mené justement un travail en Afrique en essayant d'évaluer les services en charge justement de la production de l'information climatique et des services climatologiques dans les pays. Et ils se sont justement rendus compte qu'en Afrique, dans la plupart des cas, ou bien je dirais rares sont ces services-là qui ont la quatrième, les compétences de la quatrième catégorie des services climatologiques. Ce tableau-ci vous donne, en fonction de l'indicateur de performance, que ce soit les observations et le suivi climatologique, et que vous prenez un service comme le Sénégal, il a une capacité relativement bonne à fournir ce type d'information, ce type, pardon, de services, les services climatologiques de base. Par contre, à ce niveau-là, il n'est pas justement, il a pratiquement que une capacité de base à fournir les catégories 2 et les catégories 3. Et cela est vrai pour les autres sous-composantes. Nous-mêmes, à travers un travail qu'on a fait récemment, justement, on a essayé d'aller en profondeur de cette évaluation pour regarder justement quels sont les aspects là qui peuvent amener ces services à être peu performants ou justement qui ne soient pas encore à la hauteur de fournir ces services. C'est les quatre types d'exemples qu'on a du Niger et du Mali. Et justement, on est parti les évaluer avec une procédure standard. Et on est arrivé à comprendre justement qu'en fonction de qu'est-ce qui est considéré, par exemple, l'effectif du personnel, l'expertise du personnel, les outils et techniques d'analyse utilisés, ou bien le réseau de collecte d'informations, ou bien la capacité donc, à gérer les données et l'information, les services de communication et services clients, ou bien leur capacité en technologie de l'information et de la communication. Les couleurs que vous avez ici indiquent justement si le service disponible, si la composante considérée est disponible et qu'elle va soit, elle est très bonne ou bien elle est très faible. Vous allez remarquer justement que les couleurs les plus importantes se trouvent entre faible et bon. Alors, tous ces services-là, justement, ont démontré qu'ils ont une capacité moyenne à bonne. Et on sait que les problèmes qu'ils ont sont liés, par exemple, à l'expertise du personnel, qu'il y a des besoins liés à ça, aux outils et techniques qu'ils utilisent, mais aussi et particulièrement au réseau d'observation dont ils disposent. Certains facteurs limitants qui sont typiquement liés à l'environnement du travail, ce sont des coupures d'électricité intempestives. Parfois, il y a des coupures qui se cumulent sur pratiquement 4 à 5 mois de l'année et des faibles fournitures d'Internet, Internet, par exemple, à vétusté, par exemple, de leur matériel informatique. Les effectifs qui sont réduits, les effectifs de personnel donc, qui sont réduits. Et justement, dans certains cas, il y a une certaine multiplicité de rôles et d'implications de rôles qui se passent entre ces différents services-là. Entre les services météo, par exemple, les services de système d'alerte précoce ou bien les services de la protection civile. Dans certains cas, ils se chevauchent, dans d'autres cas, justement, ils ne collaborent pas beaucoup. Et ça nous a permis justement de mieux comprendre où est-ce qu'il y a les besoins et il les avait exprimés chacun selon sa priorité. Ici, par exemple, vous avez
selon l'ordre de préférence, chacun de ces services-là avait exprimé ses besoins. En gros, quand vous faites la statistique de ces besoins, vous verrez qu'en priorité, ce qu'ils avaient demandé en ce moment comme étant prioritaire pour eux à revenir et être au standard, c'est la formation continue de leur staff. Justement parce qu'il y a certains aspects dans l'information climatique et les services climatologiques qui doivent mieux comprendre au quotidien pour pouvoir améliorer leurs services. Je m'arrête ici et je vous propose de vous évaluer comme on le fait d'habitude à partir de ces questions-ci. Merci.